Allez, c'est parti les amis, l'étape 7 de ce Tour de France 2019. C'est donc la plus longue de cette édition, 233 km entre le territoire de Belfort et Chalon-sur-Saône. Belfort-Chalon-sur-Saône, 233 km, ça commence maintenant. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Pour le maillot vert, il va être important de marquer le maximum de points pour combler notre retard. On a les moyens pour participer à l'emballage final et rentrer dans le top 10. Bonne étape les gars. Allez, allez! Et j'espère que vous allez tous très bien, les amis. On se retrouve nous du coup pour l'étape 7 de ce Tour de France après le magnifique épisode. Enfin, j'ai envie de dire magnifique épisode dans les Vosges. On est plutôt bien placé au général. C'est vrai que le temps qu'on a perdu à Nancy, voilà, ça s'est compté un peu assez cher. J'ai envie de dire. Parce que bon, c'est vrai que quand même on a perdu du temps. Mais là, on va rentrer dans une phase assez importante puisqu'on va désormais être dans les contreforts du Mâconnais et notamment dans le massif central. Ça sera pour après, mais en tout cas une petite étape, on va dire légère étape de transition, même s'il y a quand même des points à aller chercher. Il y a quand même peut-être quelques petites choses à aller faire. Voilà, Kortnussen, voilà, visé les 10 premiers. Lutsenko va bien rester tranquillement chaud. Il y a par contre, il y a quelques troisième catégories, donc j'irais bien envoyer peut-être Hugo Hull dans l'échappée. Sait-on jamais. Bonjour voilà. À tous. Avec plus de 230 km à couvrir pour rejoindre Chalon-sur-Saône, l'étape d'aujourd'hui risque de paraître bien longue pour les courageux qui ont le projet de s'aventurer dans l'échappée matinale. D'autant plus que les 70 derniers kilomètres sont complètement plats. Alors bon courage face aux équipes de sprinteurs qui ne voudront évidemment pas manquer l'occasion de se disputer la victoire au sprint massif. Allez, c'est parti du coup pour Hugo Hull. J'espère que normalement il va y avoir du renfort, mais bon, j'espère. Les gars, aujourd'hui, ça risque d'être long et le parcours ne promet aucune surprise. Le sprint massif semble écrit d'avance. Il faudra être courageux pour tenter l'échappée matinale. Bah nous on est très courageux. On est très courageux. Bon, il y a peut-être qu'il y a quelques petits points à chercher. On va aller directement au sprint intermédiaire. Voilà, avec une belle échappée qui se constitue. Voilà, c'est pas très dangereux. On va juste mettre de protection. On va mettre Gorkezega à protéger Jakob Fuglsang et Sanchez à protéger Magnus Kort. Ne laisse pas le contre rentrer. Le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. Voilà, ça. Voilà, une petite échappée à 6. Voilà, tranquille, la petite échappée à 6. De toute façon, on n'a pas à gérer le rythme, hein, très clairement, de cette échappée. Voilà, on gère tranquillement. On gère tranquillement, du coup, cette course. Avec donc les 6 compagnons d'échappée avec Van Avermaet, Calmejean et Kink. Pour le classement de la montagne. Et Kink, Burgaert, Cummings qui est là. Ah, il y a des bons coureurs, il y a des très bons coureurs. On a difficulté à l'arrière. Il devrait rentrer si le rythme se calme. Ouais, non, ça se calme, 6 minutes d'avance. Ça devrait le faire. Franchement, ça devrait le. Bon, eh bien, c'est pas très animé aujourd'hui. C'est ouais, c'est assez calme, je trouve. C'est même plutôt calme. Ce genre d'étape. Il ne se passe pas forcément grand chose. C'est vrai qu'il ne se passe pas trop grand chose. La prochaine difficulté est aussi répertoriée en troisième catégorie. Les deux premiers au sommet marqueront donc 2 points et 1 point pour le. Ouais, et là, un petit bug de son. Bon, les amis, allez, on va passer directement à la question. Bah, ouais, on va attendre, je pense, la zone de ravitaillement en attendant d'avoir du coup la question. Il y a quand même qui est plutôt assez. Crevaison, crevaison. Quand même des petits bugs de détection. Le prochain Grand Prix de la montagne est classé en troisième catégorie. Seuls les deux premiers coureurs au sommet marqueront des points pour le classement de la montagne. Allez, de l'herbe. C'est bon hein, quand il y a de l'herbe hein, sur ce genre de course. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Allez, voilà, on va juste passer la dernière côte. On va passer la dernière côte et puis ensuite on aura le prochain Grand Prix de la montagne est répertorié en troisième catégorie.
Alors il y aura 2 points et 1 point pour le classement du maillot à poids. Voilà, tac, alors, tac, voilà, tac, voilà, bon, Snooker s'est mis à jour, youpi. Du coup, on va passer directement, voilà, on va prendre un petit relais, tranquillement, on va juste prendre la roue de Haking, et puis on va se poser directement, du coup, pour la question, les amis. Nous venons donc de partir de Belfort, et en 2012, le tour était parti... de Belfort, une étape du tour était partie de Belfort, direction Pour Antruy. Je vous demande donc du coup de retrouver le vainqueur de cette étape Belfort pour Antruy en 2012. Attention, attention, vous êtes prêts? Top! C'est donc à vous donc du coup de trouver la bonne réponse du vainqueur de l'étape Belfort pour Antruy de 2012. Voilà, un petit indice, il est dans le Tour de France et il a gagné notamment un monument l'année dernière. Voilà, c'est un petit indice qui peut, je pense, voilà, qui peut bien vous aider, mais bon, je pense que beaucoup le connaissent. Il s'est surtout révélé sur ce Tour de France 2012. Pour le classement de la montagne, se met de la prochaine difficulté. Allez, du coup, voilà, donc du coup pour cette question, donc du coup ça sera en commentaire, donc il y aura une carte, donc un mois de PSN à gagner. Bon, c'est 7,99€, ça c'est tranquille, mais bon, après, le reste, j'ai surtout pensé à... Après, ça sera après au plus grand nombre de bonnes réponses, ça sera à la fin, on fera le total de toutes les bonnes réponses qui ont été données. Du coup, Hugo, bon, on va pas jouer le sprint, mais bon, on va se mettre avec Magnus Cortnessen qui est un peu loin dans le peloton. Et là on remonte à l'extérieur de la route. Et ouais, là on s'est bloqué là. Putain. Ah, ils ont foiré là, ils vont nous bloquer là, limite là. Ah là 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 là. Eh, ça veut pas nous attendre hein. Attention. Ça veut quand même pas nous attendre. Ah, si un peu. Alors que Paul Ursolin a été lâché hein. Paul Ursolin qui a été lâché. D'ailleurs, on n'est plus que 175. Hein. C'est vrai que l'abandon de Giulio Ciccone, c'est vrai que Ciccone avait abandonné hein, sur cette étape. Giuliani qui est toujours là. Hein. D'ailleurs, dans la bataille du maillot vert, Giacomo Nizzolo aussi qui est bien là, qui fait un bon début de Tour de France. Ouais, attention là, attention. Ça prouve qu'on est en train un peu de jouer un sprint intermédiaire. Scalafib qui est plutôt bien placé. Alors après, je ne connais pas trop la tournure de ce sprint intermédiaire. Là, je sais qu'il y a un virage. Allez, la roue on de Viviani. Se retrouve maintenant sur une route complètement plate jusqu'à l'arrivée. Les échappés vont avoir beaucoup de mal à déjouer les plans. Ah ouais, Viviani très fort. Hein. Oh, Grandwegen qui est bien remonté. Ça se joue à coup de seconde. Hein. Ah, même Boigny. Enfin, c'est la porte, hein, c'est la porte. Hein. Je vais dire c'est Boigny, non, c'est Christophe Laporte. Ouais, on va se mettre à 10 km de l'arrivée environ. Sanchez qui protège et puis on va mettre du coup Lutsenko à protéger Fuglsang, voilà, tranquillement. L'étape là qui est en train de mettre un peu les nerfs hein, un peu à bloc. Peut-être que ça peut être une échappée fleuve qui peut gagner, sait-on jamais. Mais bon, je pense que là très clairement que l'échappée on a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. 2,30 à 36 km. Ah, attention! Attention, attention. Peut-être que l'échappé va aller au bout hein, au final. Hein. Est-ce qu'on serait pas mieux à se concentrer sur Hugo Hull peut-être?
Ah, l'échappée va aller au bout. Hein. L'échappée va aller au bout. Elle est à 10 km de l'arrivée. Hugo, qui est un peu dans le dur. Hein. Ah, là, il est un peu dans le dur. On a quand même encore une occasion d'aller gagner. On passe la Saône ici. Hein. On passe la rivière de la Saône. 7 km de 0,4. Ouais, ça va se jouer entre nous. Hein. Ça va vraiment se jouer entre nous. Tout le monde se regarde un peu. Avec Guillaume Martin qui a été lâché, tout comme Georges Bennett. Logiquement, Van Avermaet est plus rapide au sprint. Hein, Chalon-sur-Saône. C'est. Ouais, logiquement, je pense que. Greg Van Avermaet. Ouais, une 55 normalement. Attention à pas trop tergiverser, hein, mais Van Avermaet qui roule. Ils savent que c'est plus fort au sprint. Hein. Ils savent que c'est plus fort au sprint. Enfin, attention à Eking qui a plutôt une bonne pointe de vitesse. À Bonifacio qui s'est fait lâcher. Oh, il y a un groupe de 13 là qui a été lâché. Donc Marc Soler. Allez, 3 km. 3 km. Et moi là, je veux plus passer. Hein. Moi je passe plus. Plus que 3 km. 3 km, hein, 3 km. Ouais, normalement, ouais, en plus on est loin, on est loin, on est assez loin. 2 km. Allez, plus que 2 km. Attention à ce virage. Attention, parce que là, le sprint qui est en léger faux plat. Et Van Avermaet ne roule plus. Hein, Van Avermaet ne roule plus. Steve Cummings, allez, c'est parti. Allez, c'est parti du coup, le sprint. Allez, c'est Lilian Calmejean. Qui va aller emmener le sprint. Et Hugo Hull qui va aller démarrer le premier. Hugo Hull qui porte les stockables. Oh, ça peut peut-être le faire. Ça peut peut-être le faire. Oh oui. Victoire d'Hugo Hull. Mais la surprise. La surprise. Hugo Hull qui s'impose. C'est notre troisième victoire. Hallucinant. Hallucinant. Quelle victoire. Quelle victoire. Hein. Alors là... Ah, j'étais pas prêt à celle-là. Hein. Alors là, franchement, j'étais pas prêt à celle-ci. Et là, on est un peu mal placé, là. On est un peu mal placé. Ouais, Kortnissen, là, qui va aller faire le sprint. Ouais, Vianney, là, qui était aussi mal positionné. Et on va aller prendre une 13e place. On va aller prendre une 13e place. Ouais, et belle victoire quand même des échappés qui ont bien résisté. Et victoire de Hugo Hull, exceptionnel. C'est la troisième de notre équipe. Hein. Et c'est la troisième du coup en échappée solitaire. Peut-être que les échappées solitaires nous sourient quand même pas mal. Hein. Sait-on jamais. C'est magnifique, hein, franchement. On va aller voir du coup ce sprint au ralenti. Bon, là, il n'y a pas eu de chute, hein, normalement. Il n'y a pas eu de chute. Voilà, là, on était un peu loin. Hein. Allez, on était là. On a plutôt bien anticipé. Là, on n'a pas roulé. On avait Avermaet. Et puis là, Hugo Hull qui démarre. Il a démarré. Et là, regardez. Et là, regardez. Là, alors là, le sprint. Le sprint là qui était vraiment. Et c'est même pas Van Avermaet qui fait deuxième. Regardez, regardez. Ils finissent presque tous assis sur la selle. C'est incroyable. Elle est intéressante cette image. Regardez, ils finissent tous assis sur la selle. Et au final, c'est... Là, ça risque d'être un peu plus chaud, là, pour la deuxième place. Petit avantage pour Burgard. Petit avantage pour Burgard. Petit avantage pour Burgard. Et j'ai pas vu qui c'est qui a gagné le sprint du peloton. Voilà, donc, du coup, la belle victoire de Hugo Hull qui s'impose. Troisième victoire, hein. Troisième victoire pour l'équipe Astana. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour la Palutsenko, Luislán Sanchez. C'est au tour du coup de Hugo Hull d'aller inscrire son étape. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement. Toujours Romain Bardet en jaune. Le vert pour toujours Elia Viviani. Il est en tête du le maillot blanc à poids rouge.
Peut-être pour Serge Pauwels. Toujours Serge Pauwels. Et le maillot blanc toujours pour Henrik Maas. Voilà, un petit peu pour ces classements. En tout cas, voilà, hein, c'était quand même pas mal. Bravo les gars, félicitations à vous. On n'était même pas parmi les outsiders, vous vous rendez compte? Bravo pour cette victoire. On est vraiment très bon et on a mis 13 secondes. Hein. On a vraiment mis 13 secondes, ça prouve quand même qu'on était incroyablement bon. Et regardez quand même... C'est vrai que quand même dans l'échappée il y avait que Van Avermaet et Cummings qui étaient en excellent état de forme et bah au final ça n'a rien payé du tout parce que Hugo Hulst allait quand même mettre 13 secondes à Marcus Burgaard et à Greg Van Avermaet, Cam Lejeune 4ème, Odd Christensen King 5ème, Steve Cummings 6ème et puis donc c'est Trentin hein, qui a bien réglé le sprint du peloton devant Sagan, Laporte, Alaphilippe qui a fait le sprint, Dylan Groenewegen et la Viviani, Kortnissen. Bardet Pino aussi qui ont fait le sprint. Je crois que Fuglsang aussi, j'ai dû le voir un moment. J'ai vu Valgren aussi. Oui, il est 58ème. Hein, voilà. Il est resté placé. Voilà. C'est plutôt une très bonne chose. Pas de changement du coup au général. Bardet toujours 4 petites secondes devant Nibali. 9 devant Quintana. 26 devant Thomas. 53 devant Uran. 1-0-9 devant Jakob Fuglsang. 2-0-2 pour Yates qui est 7ème. Pino, Kwiatkowski, Dan Martin pour compléter le top 10. Lutsenko. Et 11ème, Bilbao et 12ème. Serge Pauwels, toujours meilleur grimpeur avec 25 points. 21 pour Wicosta. 16 pour Wellens. Et 13 pour Friday. C'est plutôt quand même pas mal. Viviani, du coup, Hugo Hull, incroyable, hein, 96 points qui se place du coup deuxième du classement par points, incroyable du coup, Kortnissen du coup qui est troisième, mais bon, je pense que Hugo Hull, il va pas faire long feu après pour les prochaines étapes, Mas devant Bernal, Moric toujours, voilà, ça n'a pas changé, hormis une place de gagner pour Craig Andersen et Aiking, c'est Wout van Aert hein, qui a perdu des places. Non, c'est David Gaudu qui a perdu les places, qui a encore pris une cassure apparemment. J'ai pas regardé. L'Astana donc toujours meilleure équipe. Et Hugo, la combativité devant Aiking et Cummings du coup. Voilà les amis, du coup on va aller sauvegarder tout ça. Tac. Et il me manque juste ça. Voilà les amis, donc du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve donc du coup demain. L'étape de Saint-Etienne qui va être très intéressante à aller voir, à aller jouer. Peut-être encore une quatrième victoire. Et là, cette fois-ci, on pourra peut-être reprendre du temps avec Fuglsang. Ça peut être un terrain qui va lui convenir parfaitement à Jakob Fuglsang. Ça va être, je pense, très intéressant. On va aller regarder du coup la forme. Ouais, on va reprendre un peu de barre, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et on se retrouve du coup demain, l'étape de Saint-Etienne. Portez-vous bien. Salut!